Vous nous l'avez dit, je n'aimais pas, mais pour nous, ça c'est votre tube, c'est Griezmann en numéro 8. Vous nous expliquez, la compo va s'afficher. Vous nous l'avez d'ailleurs, on vous laisse une minute, peut-être un petit peu moins, mais allez-y, donnez-nous l'esprit finalement. La vidéo sur la casquette, non. C'est vite la purge. Ça fait peur aux enfants. Donc là, on vous laisse comme ça. Allez, on vous donne la main, s'il vous plaît. Donc quoi? Donc le 11 de départ. En France-Australie. Non, mais le 11. Ouais, le 11, ouais. Allez-y, il va s'afficher. Oui, Lloris, Pavard à droite, Varane et Kimpembe s'ils sont aptes, Lucas Hernandez, Tchouaméni, Griezmann à droite, Rabiot à gauche, et puis après Coman. Et c'est vrai que le troisième, après Mbappé, Benzema, Coman, Dembélé, j'irai même jusqu'à Nkunku parce qu'on en parle, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et non, mais Griezmann, le mettre un peu plus dans le milieu, dans le cœur du jeu, je trouve que ça serait un positionnement adéquat pour lui par rapport à la générosité qu'il a sur un terrain, par rapport à son intelligence de jeu, par rapport à son adaptation aussi, qui est assez rapide par rapport à son positionnement. Et ça serait un lien vraiment, Ludo en parlait tout à l'heure, le lien entre le travail défensif et le jeu offensif. Et quand on perd le ballon, parce que c'est Didier Deschamps qui l'a évoqué, il a raison, quand on perd le ballon, je suis sûr qu'il est capable de travailler autant en tant que milieu de terrain défensif et apporter quelque chose à cette équipe et justement apporter cet équilibre en ne perdant pas la possibilité d'attaquer. Ok, ben voilà. Vous êtes-il convaincu, cher téléspectateur Johan Micou, l'idée de replacer Griezmann, on va dire, en relayeur, en numéro 8, voilà, dans le cœur du jeu. Compte Twitter de l'équipe du soir, avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? On y va. Habillage. Convaincu ou pas par... Pas du tout. Pas du tout. Guillaume? Équipe super sexy et je suis très convaincu. Convaincu. Nabil? Moi, ça me plaît bien, ouais. Ludo? À 90%, oui. 90%. Pas convaincu, petit bonhomme.